Je le dis à toute la représentation nationale, profondément affectée par ce moment que je suis amené à vivre. Je redis ici, avec beaucoup de force, que je n'ai pas voulu viser le président Marleix. Mais si mon geste a été mal interprété, je lui présente mes excuses ainsi qu'à toute la représentation nationale.